C'est parti les amis, salut à tous, on continue, hein. C'est dans la même soirée, hein. Je continue là, à l'affilée, à la suite. La suite de Tomb Raider, de Shadow of Tomb Raider. Alors on s'était arrêté ici l'autre fois au feu de camp du village. Et on doit continuer tout simplement notre aventure. Alors la fois dernière on a fait une petite mission principale. Et là, enfin une mission, c'était pas une mission principale, c'était une mission secondaire, pardon. Et là on va continuer. Et on va aller directement vers le marchand qui se situe droit devant nous. Alors il y a énormément de choses à faire, des choses à ramasser, des missions secondaires. Il y a pas mal de choses à faire dans ce coin. Et c'est encore rempli de... Sincèrement, j'en ai marre d'être surveillée. Je comprends pas comment ils peuvent cancaner comme ça. Avec tout ce qu'on a perdu. Je suis désolée. Mais vous n'êtes pas mariée là ? Non, je... désolée de vous déranger. Vous venez voir mes produits ? Ah ah, le marchand. Tout va bien ? Regardez ce que je propose. Ouh ouh ouh, ça j'aime bien ça. Oh putain, des armes. Viseur pour pistolet. 1700, j'ai quoi ? 3800, d'accord. Balle de fusil, ouais. Flèche silencieuse, ça m'intéresse. Ouais, allez. J'ai assez, on va prendre ça. Excellent choix. Alors, médicaments. Ouais, médicaments, il m'en faut. Hein. J'ai assez, alors on va prendre c'est tout. Un marché convenable. Plante de concentration. Ouais, bon. Harnais de nœud, port de nœud, matériaux. Ouais, allez. On va prendre deux. Excellent voilà. Choix. C'était un plaisir de faire affaire. Ok. Il y a quoi ici ? Ouais, rien. Allez. Waouh. Jonah, j'ai trouvé des ruines Inca, mais les fondations du temple ont l'air plus anciennes. Oui. Abby se rappelle où elle a vu ce symbole. C'est quelque part à l'intérieur du temple. Super. Dis-lui merci de ma part. Je t'entends. Je les entends appeler depuis tu sous peux la terre. Me remercier en cassant rien toutes du ces tout. Voix. Les anciens dieux. Peut-être j'arrive qu'il faudrait juste vous reposer. Non. Voyez vous-même. Voyez où le souffle des dieux s'élève du ventre de la terre. Écoutez leur hurlement. Ok, il y a un tombeau là-bas, ok. Oh, il y a un truc là. Ok. Il y a plein de choses à faire dans ce coin-là. Mais là, on retourne au village, ça on va par là, donc ça sert à rien. Si je vais par là-bas aussi, peut-être, je sais pas. Je vais aller voir par là-bas. Voilà où ça nous mène. Peut-être dans un autre village, je sais pas, on va voir. Ah, il y a un feu de camp, d'accord. Le matériel aussi. Le feu de camp, franchement, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Quoique, je peux rester ici, comme ça, histoire de le valider. Les militaires sont vraiment accro. Voilà, histoire de valider et peut-être de faire un voyage rapide de ce côté-là plus tard. Ça mène où ça? Je suis peut-être un petit peu trop curieux. J'ai envie de voir où ça mène. Par là. Récolter 5 plantes aquatiques. Attends, on va remonter déjà. Attends. Ah,
C'est marrant, c'est un plot aquatique et... Il n'y a plus rien par là de toute façon. Bon, on va remonter, il n'y a plus rien en dessous. Allez, assez peur du temps. On va retourner. Désolé du bruit. Ouais, bah là, on est carrément retourné dans la savane. Là. C'est rien que j'ai eu là. On explore, je sais que je découvrirai pas tout du jeu parce qu'il y a des tombeaux que peut-être ils sont cachés par des verdures, peut-être il y a des endroits cachés, hein. Peut-être pour l'instant je vois rien, donc on verra par la suite, peut-être je le referai hors gameplay, hors l'enregistrement, je recommencerai peut-être le jeu et je pourrai découvrir des choses que j'ai pas fait lors de l'enregistrement. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Il y a un petit bug à l'attente de dissimulation. Allez. Ah, bah t'es là, toi! Hey! Ça semblait plus grand vu de l'extérieur. Qu'est-ce que t'as fait? Jonah, regarde. Ishell et Shakshell, les jumelles se retrouvent. Qu'est-ce que c'est? Ça sonne creux. Lara! Quoi? Abby a dit qu'on ne devait rien casser. Je casse rien du tout. Je restaure l'original. Quelqu'un a tenté de le dissimuler. Les jumelles se retrouvent avant de suivre la voie des vivants. Quelqu'un y a touché. Comme cette chose au Mexique. Ça doit conduire au temple de la vie. Vas-y, je reste ici. Je trouverai peut-être quelque chose. Bonne idée. Je me sens pas rassuré de m'aventurer tout seul, là, c'est bizarre. Les jumelles, la vie et la mort. Jonah, j'ai trouvé un temple. Super. Ah bah putain, le temple est... Les trinitaires sont déjà là, ils essayent d'entrer à l'explosif. Je vais essayer de les suivre. Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment là. Ouais, j'imagine. Je sais pas ce que t'as fouillé. On va le prendre quand même. Avant-poste, quel est votre statut? Opération loup solitaire en cours. Camion en route. Pourquoi on s'affole d'un coup? Docteur Dominguez est au Pérou. C'est suffisant.
suffisant comme raison. D'accord, commandant. Désolé, chef. Ces drones étaient super lourds, bizarrement. Les coupants, mais le bateau a l'air ok. Content de vous voir. On a un problème. Le générateur encore ? Je vais voir quoi. C'est vrai qu'on a fouillé tout beau. Il veut qu'on aille fouiller partout. Tu sors ! Essaye de voir quelqu'un ! Oh merde ! J'ai pas voulu faire ça. Non, tu m'as pas vu. Okay, je peux rentrer dans ce trou là. Non, tu m'as pas vu. Par ici. Lance des grenades, c'est pas possible. Tu sais quoi? On va retourner de l'autre côté. On va tous les attaquer un par un. Parce que là. On va remonter par là. Faire ça, je voulais l'attaquer en silence, de me mettre derrière lui et de le projeter dans l'eau. Et au lieu de ça, elle est carrément montée sur le rebord et bah je me suis fait repérer comme un con. Voilà, c'est tout. Alors, on doit aller de l'autre côté, j'avais compris ça. Comment on fait déjà pour fabriquer, je me rappelle plus. Non, c'est pas ça. Ouais. Attends. Ouais, ça c'est une. Ouais, j'ai une flèche enflammée, mais bon, ça me sert à rien. Oh, et quoi là? Oh, voilà, hop. Ça, c'est pour y servir. Voilà. Au moins j'en ai quelques petites flèches. Lara, est-ce que ça va? Oui, il y a une base des Trinitaires ici. Zonaz, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je t'avais pourtant dit de rien casser. Abby, je vais t'expliquer. Je te rappelle plus tard, Lara. Surtout, reste prudente. Mais j'essaye. Les Trinitaires sont vraiment à cran. Il y a combien de compétences? Mais s'ils sont ici, c'est qu'ils ont de l'avance sur nous. Je vais pas l'utiliser tout de suite, mon point de compétence, je l'utiliserai une fois que j'aurai au moins minimum 2, voire 3. Tu sais pourquoi?
verrouille tout comme ça? Parce que le commandant Rourke veut qu'on bouge le périmètre. Personne entre, personne sort. J'avais compris, du con. Je te demande pourquoi. C'est trop classifié pour moi. Ils sont où? Je les vois pas. Les éclaireurs seront là, ils pourront peut-être nous dire quelque chose. Ah ouais, d'accord, il faut que je... Ok, je vais mettre la boue, d'accord. Il va pas capter. Beaucoup de choses à ramasser ici. Allez, on y va. Au revenir, ici le commandant Rourke. Vous avez bouclé la zone? C'est presque fait. Tous les points d'accès sont couverts, et la plupart des barricades sont en place. Presque, c'est pas assez. Dépêchez-vous de sécuriser le périmètre. Je veux que rien ne puisse passer. Compris, chef. Si je puis me permettre, chef, qu'est-ce qui se passe? Les éclaireurs sont en route. Rourke, terminé. Faut qu'on reste optimiste. Ils sont peut-être pas morts. On va aller tout doucement, on va aller tout doucement. Là, j'en vois un... Je comprends vraiment pas ce qui a pu se passer. Il est de dos ou de face? Beaucoup trop de structures ici. On voit que dalle. Ok. Où sont les autres? Il y en a un là-bas au fond. Est-ce qu'il y en a un au-dessus? Ils sont descendus et jamais remontés. Ce qu'il y a par là. Non, par là, il n'y a rien. Par là, il n'y a rien du tout. Il y en a deux là-bas au fond. J'aimerais bien que les éclaireurs arrivent. On essaie de monter par là, peut-être qu'il y en aura une occasion. Mais quel cauchemar. On ne devrait pas envoyer quelqu'un à leur recherche? Rourke a été clair. Pas de recherche tant que les éclaireurs seront pas là. Mais ça fait presque une heure qu'on n'a plus de nouvelles. Le commandant abandonnerait pas ses hommes. S'il veut qu'on attende en haut, c'est qu'il a une bonne raison. Ils sont l'un côté de l'autre, ils peuvent pas bouger. Escamoufle avec la boue! Tais-toi! Il est fou, lui. Il y en a d'autres ou pas? Ok, le périmètre est verrouillé. On n'a plus qu'à attendre l'équipe de reconnaissance. Tu trouves pas ça un peu bizarre, toi? Il s'est passé un truc sous terre, mais on se retranche pour combattre une menace ici. Ça a l'air assez classique. S'ils ont eu un problème, ça peut être absolument n'importe quoi. 3, 4... Mais bon, on tient quand même le temple. Ouais, je sais pas. J'ai quand même l'impression qu'on est passé d'une alerte orange en zone connue à une alerte rouge partout. On s'excite pour rien depuis cette horrible tempête. Faut qu'ils se séparent là les deux, sinon si j'attaque celui-là qui est là, l'autre ils vont griller. Y'a pas des trucs pour faire diversion là? Ça me rend complètement dingue. Viens ici toi, viens. Viens ici mon petit, viens. Mais non, repars pas! Je deviens complètement dingue. Bon, tu sais quoi? C'est n'importe quoi! Quelqu'un se fout de notre gueule. Et on a peut-être déjà perdu des hommes à cause de ça. Du calme. Si on avait besoin de savoir un truc, quelqu'un nous l'aurait dit. Ça, c'est bon. Comment on va faire maintenant pour attaquer celui qui est là-bas au fond? Tu crois qu'il s'est passé quoi ici? On sécurise la zone. Quelqu'un a l'air d'avoir cru à une attaque. Par quoi? Allez, qu'on en finisse. Tais-toi. C'est bon, hein? Apparemment, c'est bon. Jonah, le commandant Rourke est ici, au Pérou. Il a demandé aux Trinitaires de surveiller un site de fouille sous un vieux puits de pétrole. Tu vas aller jeter un coup d'œil? Oui, je vais voir ce qu'ils ont trouvé. Rourke était à Cozumel quand Dominguez a pris la dague. Ils ont dû découvrir comment accéder à la cité perdue. On va voir ce qu'il y a là-bas.
par là qu'il faut que j'aille. D'accord, mais je vais voir ce qu'il y a par là d'abord. Je pense qu'il y a là. Ça, je sais pas à quoi ça va me servir, mais au moins il y a des petites choses. Ah, ça peut me servir par contre. Ah, bien. Oh, ça j'aime bien les cocktails Molotov, ça explose de partout. Bon, voilà, on n'a pas besoin pour l'instant là. Ah, quoique. Je peux pas le mettre dans mon inventaire, ça. Ouais, quoique, pour l'instant j'en ai pas besoin, ça sert à rien. Allez, hop là. Donc, doucement là. C'est une vraie boucherie ici. J'ai eu peur. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, j'ai cru qu'elle allait tomber et crever la fille. Et ok. Je suis censé aller où là? Non, c'est bon. Je vois le truc, je sais pas. Ok. 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 Oh mais lui il est dead, j'ai même pas vu qu'il y avait un corps là-dessus. Ah, il y a un truc là. Ok. Ok, ça ça nous amène la carte un peu plus... ouais. Ok. Alors les pillards. C'est fini. Ok. D'accord, très bien. C'est bizarre, je le sens pas là tout d'un coup. Ah ouais, d'accord. Il faut que j'aille par là. Je vais voir ça. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Voilà, c'est comme ça. Ah ouais, d'accord. Récupère plus d'artefacts pour déchiffrer. Jonah, okay. Je suis à l'intérieur du temple. Je crois qu'on a aussi trouvé un truc. Des chiffres. Je vais essayer de nettoyer ça. Je sens que ça va s'écrouler là, je sais pas pourquoi. Okay, les chiffres sur les piliers rappellent la première moitié d'une date. Ishel sur la gauche, Shakshel sur la droite. Ok. Ouais, c'est que voilà. Ouais, je vais bien ouvrir la porte, mais je connais même pas leur symbole. Attendez. Pour trouver la cité perdue. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ok. À mon avis, je dois faire peut-être les symboles qui sont à gauche. Je devrais pouvoir ouvrir ces portes. Je sais, mais comment? On va voir par là. Oh! D'accord. J'ai fait au pif, j'ai rien compris. Ouais, c'est peut-être dans l'autre sens. Je devrais pouvoir ouvrir ces portes. Bah là, si je vais par là, je crève. Est-ce qu'on peut aller par là? Oh, le
quoi là? Ok. Wow! On reste calme. On va pas ce coup là quand même. On va aller par là. Ça a ouvert un truc là. Ah ouais. Merde, j'en étais sûr. Un cheval. Mais je suis censé faire quoi là? What? Ah, il y a un troisième symbole qui a apparu là, j'ai même pas vu. Ok. Non, c'est pas ça. Non. 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 Ça. Ça et ça et ça. Je comprends pas. Non, ça, je comprends pas. Tac, tac. Je vois pas. Je vois pas. Mais en plus, c'est que je peux déplacer juste le haut, en fait. Je peux pas déplacer l'autre. Encore une porte, ça doit cacher quelque chose. Oh non. Ok, je crois que je commence à comprendre le bordel qu'il y a là-dedans. Ça, c'est un mécanisme à la con, vraiment, je vous le dis. Alors, ça, on va descendre. Là, en fait, je suis en train de regarder ce qu'il y a là. Hein. Comme vous voyez là, il y a tout ça là. C'est ce que je suis en train de faire. Et là, il y a cette partie-là, qui à mon avis, cette zone-là. Donc on va essayer comme ça. Et là, malheureusement, c'est vide. On va peut-être essayer de vide. Attendez. Hop. Ouais, c'est vide, il n'y a rien là. Donc je pense que c'est le vide. On va voir. Je suis pas sûr que c'est ça, mais on va essayer comme ça. On va voir si c'est bon. C'est bon. Hey,
Alors, Jonah, comment ça se présente? Oh, mais sérieux, ils abusent d'un complète bon. Et une représentation de chaque shell. J'ai deux dates ici. Et Ishel. Je crois que j'ai vu la date de gauche quelque part. Aïe, aïe, aïe. La photo de Cozumel. Il y a peut-être un indice. Dans le compte long, le calendrier Maya, à chaque date, était associé. Oui, bon, d'accord, j'avais compris là, leur bordel, hein, c'est bon. Ok. Alors. En bas. Je crois qu'il n'y a rien en fait. Je sais pas. Ici. La photo de Cozumel. Il y a peut-être un indice. La photo de quoi? Qu'est-ce que raconte? La photo de Cozumel. Pour trouver la cité perdue. Non, c'est pas ça. La photo de Cozumel. De quoi elle me parle? C'est compliqué cette énigme, hein, je vous le dis. Là, je sais plus, là, par contre. Là, peut-être c'est bon. Et là, peut-être on va foutre le vide. La photo de Cozumel. Il y a peut-être un indice. Mais c'est quoi la photo de Cozumel? De quoi tu me parles, Lara? Je comprends rien. C'est pas le mission secondaire, c'est l'art, c'est les artefacts. Dans le compte long, le calendrier. Non, non, c'est pas ça. Je vois pas du tout de quelle fausse j'ai tu fait parles, quelques... Lara, hein. Franchement. La porte de la rancard, ça je m'en fous. La photo de Cozumel, mais de quoi elle me parle? Non, ça c'est bon, ça c'est les guides de survie, je m'en fous de ça. Peut-être pour refermer le truc, on va voir. La photo de Cozumel. Il y a peut-être un indice. J'ai fait qu'un. Non, pas ça. Je vois
pas du tout de quoi elle me parle. Ça m'énerve. J'avais bien avancé, mais là je sais plus. Si jamais ça coupe, hein, mon avis média, vous la photo pas. De Cozumel. Il y a peut-être un indice. Ok, Jonah. C'est quoi le dernier chiffre pour chaque shell? Une ligne en travers, deux points en haut. 7, je dirais. Merci. Une ligne de travers et un point en haut. Même ça, j'ai rien compris, j'ai là. Ligne de travers et un point en haut, ça fait 7. C'est quoi ton charabia? Franchement, je comprends rien. J'avais bien démarré, j'avais bien commencé, mais là, que dalle. Déchiffrer les deux derniers symboles. D'accord, mais comment? Je comprends rien. 1, 2, 3, 4, 5. Franchement, je sais pas, je suis complètement perdu. Et en plus, il n'y a pas sur les symboles, sur les portes, il n'y en a pas. Les trinitaires. Un autre groupe, parti quelques jours après la procession principale. Non, 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 non. Déchiffrer les deux derniers symboles. Il n'y a pas des indices là. Ah.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais là, attendez. Peut-être j'ai trouvé, mais c'est pas sûr. Je comprends rien. Je comprends plus rien. À droite, je suis bon, mais c'est à gauche que j'arrive pas. Je peux déchiffrer les deux derniers symboles. Dans le compte long, le calendrier Maya, à chaque date étaient associés 5 chiffres. Celui-ci a été modifié pour ressembler au nombre 13, mais il s'agit en réalité d'un 8. La différence étant de 2000 ans, les constellations se trouveraient donc dans une toute autre partie du ciel. Pour trouver la cité perdue, suivez la rive vers le sud jusqu'à trouver le poisson rose. C'est l'étoile Alphard, la... Dans le compte long, le calendrier Maya, à chaque date, était associé 5 chiffres. Celui-ci a été modifié pour ressembler au nombre 13, mais il s'agit en réalité d'un 8. Je pense que j'en suis sûr. Voyons voir une dernière fois. Pour trouver la cité perdue. Non, c'est pas celle-là. Et celle-là. Dans le compte long, le calendrier Maya, à chaque date, était associé 5 chiffres. Celui-ci a été modifié pour... Voilà. Je crois que j'ai trouvé. J'espère. C'est pas celui-là, ça doit être celui-là. Peut-être c'est celui-là. On va vérifier. La photo de Cozumel. Il y a peut-être un indice. Attends, peut-être j'ai trouvé. Alléluia! Enfin! J'en pouvais plus. Voilà. Jonah? Salut Lara, c'est Abby. Salut Abby. J'ai trouvé une fresque. On dirait que ça représente une sorte de voyage. La photo de Cozumel. Entrer dans la gueule du jaguar. Il y a peut-être un indice. Et suivre un serpent vers un œil d'argent. Uh-huh. Et puis on voit aussi une araignée. Et un aigle qui s'envole vers un temple. Ok, je sais pas pour le reste, mais la gueule du jaguar, c'est par ici. Vraiment? Ouais, une sculpture de chat avec de grandes dents. Ah, voilà Jonah. Lara, est-ce que ça va? Oui, je ressors là. Ouais, ça va, ouais. Parfait. La photo de Cozumel. Je crois que tu as aimé ce qu'on a ici. Il y a peut-être un indice.
Oh, il y a un truc là, non? Bon, j'ai rêvé. Ok, ok. C'est quoi ça? Ok. Oh, et quoi là? J'ai du mal à comprendre ce... La photo de Cozumel. Il y a peut-être un indice. Je crois que t'es en retard, mon pauvre fille. Je comprends pas ce dialecte. C'est sûrement que j'oublie quelque chose. Ok. Allez, sortons d'ici. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter là, les amis, hein, parce que là, on a un petit peu galéré dans ce temple. Ah, intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de temples, hein, depuis le début de l'aventure là, qu'on fait, il y a beaucoup de temples. Hein. La photo de Cozumel. Il y a peut-être un indice. Ouais, je crois que tu bugs, toi, là. Hein. Oh. Change de langage, hein. Ok, c'est un bon jeu de... pour tuer et accrocher... Oh, nickel. Oh, ok. Il y a quoi par là? On doit aller par là ou pas? Non, par là. J'ai envie de voir ce qu'il y a par là. La photo de Cozumel. Oh! Il y a peut-être un indice. T'as bugué ou quoi, là? Ah, mais non, je suis con, je suis revenu en arrière. N'importe quoi. Ouais, c'est par là. Oula. Ouïe, doucement. On me l'a vu. Ouais, bah, je dois sauter. Allez, hop. Mais saute, Lara, saute. Allez, ninja. Là sont très dangereux, les mêmes. Ok. Ok. On va se cacher, d'accord. Il faut se cacher dans les buissons, ok. Allez, go. Allez, remonte, Lara, attends. Ouf. Ah, j'en pouvais plus. Avec tous ces piranhas dedans, là. Eh ben... Hey, bordel. Fais pas ça. Désolé. Qui d'autre s'en est tiré? Ça, j'en sais rien. QG, ici l'équipe Omicron, on est attaqué. QG, répondez. De nouveau? Silence, faut que je me concentre. J'ai toujours pas... De quoi ont-ils peur comme ça? Dans le crash. Dans le crash. C'est Jonas, hein? Ah non, c'est pas Jonas. What? C'est qui, elle? C'était quoi, ça? On s'arrêtera là, voilà, on s'arrête là. J'espère que ça vous a plu, hein, malgré tout, la fin un petit peu tragique.
N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. On se retrouvera très prochainement pour Shadow of the Tomb Raider pour essayer de se faufiler et de passer inaperçu, de tuer tous ses ennemis derrière cette zone. Ciao, bye bye.